Alors, moi je me suis baptisée à peu près plus tard. Et il y a à peu près 2 ans et demi, les problèmes qu'il y a eu, le fait que je me suis éloignée, ça m'a contente. Je ne venais plus à l'assemblée. Et les derniers mois, je suis tombée dans une dépression où j'avais plus le goût de vivre. Je ne voulais plus. Parce que malgré que j'allais pour l'assemblée, toujours j'avais dit dans mon cœur, je priais la main des hommes. Parce que j'ai toujours aimé Dieu. J'avais toujours ce désir dans mon cœur. Mais ces derniers mois, j'avais plus rien. Je suis rentrée comme dans un désert pendant à peu près 3 ou 4 mois. Mais plus sortie, rien du tout. Aucun désir jamais. Et je me cachais. Comment je pouvais. Et ma fille, ma dernière, a commencé à aller aux réunions avec mon beau-frère. Elle est venue quelques fois, on me faisait rien, mais je ne pouvais pas rien arriver à faire. Il y a quelques jours, j'ai vu son tristesse. J'ai vu ma fille, de triste de me voir dans quel état j'étais. Et là, j'ai commencé à revenir à la réunion. Et Dieu m'a montré salut, j'ai prié. Oh Seigneur. Alléluia. Seigneur. Oh Jésus. À combien j'ai honte de le laisser. À combien j'ai honte, Seigneur. Parce qu'il m'a montré ce qu'était la vie sans lui. Mais maintenant, oh Seigneur, j'aimerais pas tomber là où je suis tombée, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu. Oh, c'est vrai que j'ai compris quelque chose. Il fallait s'approcher de lui, pas m'arrêter. Mais juste la vie qu'on a fait aujourd'hui. Le matin qu'on se lève, le soir. Pour vivre avec lui. Amen. Amen, Seigneur. Amen.